Johnny Buck, let's go pour cette seconde partie de l'épopée Ghouls End. Pas End, mais Ghouls End Ghost. Alors, bon, je me suis un petit peu... J'ai essayé de me... De me remettre le pouce en état. Mais, ah ouais, ouais. J'ai essayé de me remettre un petit peu le pouce comme il faut, parce que c'est vrai que... Ouais, mais comme je vous dis, là, j'ai vraiment, je sais pas, cette croix directionnelle, peut-être que j'appuie trop fort. C'est vrai que j'appuie un peu comme un forcené, donc je sais pas. Il doit se passer quelque chose, mais j'ai vraiment, vraiment mal, je pourrais pas tenir jusqu'au bout. Donc, enfin, je pourrais pas tenir jusqu'au bout si je fais pas un changement radical. Donc, ok. Aïe, 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 aïe. Ok, c'est bon. Ah, c'est grave comment ça fait mal. J'appuie trop fort. Faut que je fasse super gaffe. Je me suis également fait un petit café. Kiff, évidemment. Ah, putain. Eh oui, le problème, vous voyez, c'est que quand on est comme ça, on peut pas se retourner. Eh oui, j'ai compris maintenant. C'est ça, le problème. Il vient de là, le problème. C'est que, nom de Dieu... Ah, putain. On ne peut... Putain, il pop, il dépop, mais toujours au mauvais endroit, là. Comment tu veux? Ah, et voilà. Bref. Avec le petit café, plus 3 minutes d'eau froide pour mon petit pouce, ça devrait mieux le faire. Allez, concentration, et cette fois-ci, je me le torche, là. Allez, concentration maximum. Je me le fais. Là, je me le fais, allez, c'est dit. C'est dit, c'est fait. Voilà, ça c'est pas mal. Allez, on va se faire lui. Pas mal, pas mal. Là, on est pas mal. Ah, putain! Comment je pouvais prévoir ça, c'est qu'il va me foncer dessus comme ça, c'est... On reste calme, il n'en reste plus que un, surtout on reste calme. Je vais foutre là, quoique non, c'est peut-être une mauvaise idée. Non, c'est bon, oh, 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 et voilà, eh. Je vous dis que je le kill, qu'est-ce qui se passe? Je le kill. Cette espèce de gros ver luisant tout vert là. C'est un gros ver vert. Oh, mais quel blagueur ce Hooper, je vous jure. Bon, j'espère que ça vous plaît en tout cas. Oulalalalala. Attendez, on est déjà dans la tanière du boss final ou quoi là? Comme d'hab dans le coffre. Putain, les explosions sont bizarroïdes. Alors attention, on se fait attaquer par des espèces de dragons. Oh, oh putain, oh. Alors oui, eh non. Je me disais que... Oh nickel, j'ai réussi à me le faire, j'ai réussi à me le faire. C'est bon ça, très bon ça. Oh putain, oh là là, ce passage me fait penser à... attendez. Je crois que c'est... Je crois que c'était dans Super Ghouls and Ghosts. Ah, il y avait un truc du genre, hein, où on se fait harcelir comme ça. Je crois bien que c'était ça. Alors là, ça va être chaud, les mecs. Je préfère remonter. Hop. Oh putain, le con. Oh, 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 oh putain, il est balèze, lui. Ah, c'est un balèze, lui. Ok, ok. Je remonte par là. Ah, ok. J'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance là. Ah, on attend le bon moment. Ah, mauvais ça. J'ai peut-être pas dû faire ça. Aïe, 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 ils sont... Oh, oh, oh. Ah, ils sont balèzes là, ils sont balèzes. Le con. Mais quel abruti, je tombe sur son shuriken. Ah, j'ai l'impression que les fights contre les Red Arima sont fun. Ah oui. Mais dis donc. Attendez, je sais pas ce que j'ai sur la langue, là. Espèce de cheveux. J'ai l'impression... Ah, bah, ah mais non, c'est le même coffre que tout à l'heure, avec le sorcier dedans. On s'en fout un petit peu. Ouais, j'ai l'impression que les fights contre les Firebrand sont assez énormes. Alors, forcément, il faut pas se faire avoir... Voilà, d'accord, ok. Ah, si on passe... Ah, 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 ils sont bons, ils sont bons, ils sont bons.
Ah, ils sont fortiches. Ah la vache. Ah, ils sont fortiches. Ils sont fortiches. Non, alors. Ah putain, qu'est-ce qu'ils sont rapides! J'ai même pas eu le temps d'esquiver. Pourtant, je me doutais. J'attendais justement qu'il me fonce dessus pour partir, mais il était tellement vite, j'ai rien pu faire. Là, c'est même pas la peine d'ouvrir le coffre, du coup. On y va direct. Alors, je vais essayer. Je fais ça. Là, il tombe. Non, il tombe pas. Putain, des fois, il tombe. Ah, la vache! Ah, il fait pas toujours la même chose, en plus. Ah, et en plus de ça, moi, je peux pas tirer à travers les murs, alors que lui, oui. Alors. Hop, 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 hop. Ah, putain! Oh, la vache! Ah, ils sont balèzes. Ah, c'est des balèzes, là. Ah, oui. C'est pas des Firebrand de pacotille. Il y a forcément une technique, mais bon. Alors, je fais ça. Ah, si on passe... Ah non, non, c'est mauvais. Ah non, 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 c'est mauvais ce que j'ai fait. Très con, très con. Putain. Ah là, je touche même pas, c'est ça le pire. Je peux pas aller là-bas, sinon je vais en avoir deux. Ah putain. Mais putain, je voulais tirer en haut. Ouais, c'est con ça, je voulais tirer en haut. Ah, c'est chaud quand même. Ah, je peux même pas remonter par là. Aïe, 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 aïe. Oh là, c'est chaud. On a très, 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 très peu de moments où on peut l'attaquer. Oh la vache. Aïe, 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 la vache. Ah, c'est des chauds. Ah, c'est des chauds, les Firebrand, dans cet épisode. Vous allez me dire, dans tous les épisodes, c'est des chauds. Mais là, quand même... Wow! J'ai envie de regarder s'il n'y en aurait pas d'autres coffres qui peuvent popper ici. Putain, les ennemis qui popent à l'affilée. Non, pas d'autres coffres, apparemment. Non. Je vais faire popper de là pour voir. Ouais, non. Ouais, non, 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 non. Laisse tomber, il n'y a pas de coffre. C'est jamais, il faut trotter partout. Non, pas ici, il n'y a que dalle. Non. Ouais, j'ai une fois. Oh! Ah, j'ai peut-être trouvé une petite technique là, tiens. Il faudrait que j'en trouve une pour lui aussi, mais. Putain, regardez-moi ça, regardez-moi ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais tenter. Ouais, quoi que je fasse, je suis mort. Je peux juste l'avoir une fois là. Ah putain, je l'ai même pas vu. Je l'ai même pas eu, il a réussi à esquiver. Oh, c'est un truc de fou. Bon, maintenant par contre, je peux monter à l'échelle. Je vais partir, tiens. Ah putain, il me suit jusqu'en haut. Oh putain, la vache, il me suit. Ah hein. Oh, putain, non. Oui. Ah putain, je voulais au moins voir ce qu'il y avait dans ce putain de coffre. Ah oui, à mon avis, ça c'était un bon coffre en plus, parce que j'ai l'impression que je l'ai fait pop d'une façon spécifique. J'ai l'impression que c'était pas un coffre aléatoire. Remarque, vous allez me dire, celui qui pop au début aussi, c'est pas un coffre aléatoire. Hein. Donc ça veut pas dire grand chose. Donc là, j'ai fait ça, et ça, merde. Ah merde, ça a fonctionné pourtant. Oh, j'ai eu du bol. Bon. Putain, je l'ai raté. Hein. La vache. Ah, il nous touche pas forcément quand il fait ça. Putain! Allez, ça y est, il est dead. Alors, le coffre, là. Comment j'ai fait popper ça, moi? Là... Putain, mais regardez-moi ça, c'est abusé. Vous avez vu ça? Il faut se laisser tomber d'en haut pour que ça pop. Ah, ok, d'accord. Et en plus, dedans, t'as un putain de magicien pourri. Ah, putain. Oh, non, 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 non. Je peux même pas le toucher de là. Alors là, comment tu veux? Comment tu veux-tu? Mais comment veux-tu? Oh, non. Putain, ça va être horrible. Ah, ça va être ignoble. Ah, ça va être ignoble. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même la place. Ah, bien joué. Ah, bien joué. Je me suicide sur le shuriken.
Oh putain, ça va être chaud. Ah ouais. Ah la vache, ils en ont mis part. Ah, on va en avoir à la chaîne. On va en avoir à la chaîne des Firebrand. Ouais. C'est reparti comme au bon vieux temps là. Comme au bon vieux temps. Putain, je tire pas en haut assez vite. Bon, lui ça ira. Lui, je fais ça. Je fais ça. Au moins, j'ai touché une fois comme ça. Hein. On va attendre là. Je fais ça. Je fais ça. J'avance. Putain, j'ai du bol. Aïe, aïe, aïe. Je suis mal positionné là. C'est mauvais ça pour moi. Très mauvais, très mauvais, très mauvais ça. Ouais, j'ai touché une fois. Ah putain, le con. Putain. Ah, je crois que ça, on peut appeler ça au pixel près. Bon, je vais retenter le coffre. Ah putain, mais ça veut dire que c'est vraiment aléatoire. C'est dingue, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un sorcier dedans. C'est ouf. Attendez, qu'est-ce que c'est la grosse attaque là? Qu'est-ce que c'est que ça? Énorme! Oh, c'est excellent! Oh, c'est énorme, attends. Oh, c'est énorme! Oh putain, c'est pile-poil ce qu'il me faut! Excellent! Attendez, les mecs, c'est pile-poil ce qu'il me faut! Énorme! Énorme! Alors là, j'ai du bol. Pour les Firebrand, c'est pile-poil ce qu'il me faut. Non, je vais pas faire le con quand même! Non, 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 non. Oui, c'est bon, un en moins. Je prendrai pas de risque. Quel con! Mais quel con! Cette attaque de ouf, c'est juste ce qu'il me faut! Ah, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je sais. Ça veut dire que je vais même ouvrir le premier coffre. Ça veut dire que même dans le premier coffre, on peut avoir n'importe quoi. Ah, je pensais que dans les coffres, une fois qu'on trouvait hein, qu'il y avait un sorcier, c'était toujours un sorcier, mais non. Voilà, là on vient de le voir. Non. Non, non, non et non. Maintenant, peut-être qu'il y a un ordre d'apparition des coffres en fonction de si on les touche ou pas. Allez, ça c'est possible. Voyons, là il y a celui. Alors je vais voir. En déverrouillant l'autre coffre, on verra ce qui se passe. Ouais, ça c'est pas mal. Alors ici, je fais. Ouais, touché. Oh, putain, excellent. Alors là, j'ai Rock Soré, mais alors, puissance 1000. Voyons. Oh, excellent. Alors, excellent. Alors pourquoi? Pourquoi tout à l'heure? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi tout à l'heure il y avait le sorcier et pourtant j'avais pas détruit le premier coffre tout à l'heure? Hein. Ah, il me semble pas. Hein. Il me semble pas. Bon, on va se préparer. Il traverse les murs, je déteste ça. Bon, tu viens pas, tant pis. Bon, l'attention. Ah putain. C'est pas grave. Ah putain, non, non. Ah putain. Allez! Non! Ils sont trop hard, c'est foiré! Ah putain, que je me fasse pas avoir par lui. Merde! Oh la vache! Oh! Ah, ils sont super chauds. S'il vous plaît, qu'il n'y en ait pas un autre. Qu'est-ce que c'est que ça? Une espèce de statue de. C'est le boss ou quoi ça? Une espèce de statue de méduse là avec deux serpents, c'est très étrange. Non. Non, c'est le sabre. Non, je préfère garder ça. Je préfère garder une arme à distance là. Mais c'est pas vrai ça! Mais c'est pas possible! Mais sérieux! Mais putain, le machin il pop juste. Hallucinant! Le truc il pop dans le mur quoi. Et le pire c'est que eux ils peuvent transpercer les murs, mais nous on peut pas! Ni nous, ni nos attaques! Ah ok, d'accord, je fais n'importe quoi, je préfère me laisser tuer. Allez! Tuez-moi! Ah c'est chaud hein! Ah oui! Là, on retrouve cette bonne vieille difficulté de la série. Elle est là, il n'y a pas de doute, elle est là.
Ah, elle est là. Ah oui, un épisode digne des autres. Ça, y a aucun doute. Non, 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 non! Oh la vache! Ah putain de putain de... Ah putain! Est-ce que du coup il va y avoir une armure... Non. Du coup ça... Ah mais ça veut dire que peut-être que... D'accord, peut-être que quand on n'est pas du tout en armure, il y a ça. Aïe, des fois je me bloque sur les échelles. Hein. Ouais, par contre là ça va être chaud du coup. Est-ce que je peux monter sur ce truc? Non, je peux pas, non. Oh la vache. Ouais, c'est pas mal, sauf que là il y en a encore un autre, alors bon. Si j'y arrive, ça sera vraiment du demi-god là, autant le dire. Hein. Non, 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 la hache. Ah putain, je pensais que j'allais pouvoir pourtant et non. Ah, c'est pas évident. C'est certain. Mais on va y arriver. Il n'y a pas de problème. Voilà, normal. Ok. Oh putain, et lui. Oh putain. Non, mais non! Mais c'est dingue. Mais avant, je me faisais jamais avoir là. Il popait pas? Avant, je me faisais pas avoir à cet endroit. Il me semble même pas qu'il y avait un dragon qui popait à cet endroit-là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? D'un seul coup, qu'est-ce qui se passe? C'est la fête! Alors, je vais me les faire cette fois-ci comme ça. Ça y est, putain, regarde. Mais, ok. Alors, est-ce que je peux passer, s'il vous plaît? Est-ce que je peux passer? Non, on peut pas. D'accord, je mets 10 ans pour les tuer, ça y est. Ça y est, apparemment, je peux passer. Maintenant, j'ai l'autorisation. Super chaud de tirer en hauteur. Des fois, j'arrive pas avec cette putain de manette. Ah, là aussi. Je voulais tirer plus tôt, mais. Comment voulez-vous? Oh la vache! Ce pat classique me handicape réellement. Oh, ça, c'est bien joué. Putain d'enfoiros! Putain, mais tu peux pas esquiver ça! Ouais, c'est le hasard, bon sang! Maintenant, donc, logiquement, il va y avoir un sorcier. Ouais. Ouais, non, je vais pas réussir à les avoir, là. Comment tu veux faire part du bourrinage et espérer? Mais putain, mais le pire, c'est que... Si encore ça se dirigeait vraiment bien, mais là j'ai tellement de mal. J'ai trop de mal avec cette croix, à bien diriger la croix vers le haut ou vers le bas et donc à bien orienter mes attaques vers le haut ou vers le bas. Voilà ce qui se passe. Ok, génial. Putain, tu sais jamais. Sérieusement, c'est le hasard, faut pas déconner. C'est le hasard. Tu peux t'en sortir, mais... Avec une bonne manette, oui. Avec une bonne manette, tu peux t'en sortir. Regardez, là, vous voyez? Là, c'est l'exemple parfait. Je voulais tirer vers le haut. Et j'ai... Ah, ça a pas voulu! Ça a pas voulu! Je voulais tirer vers le haut! Sérieux, je voulais tirer vers le haut juste avant. Bien sûr. Mais non, je sais pas pourquoi. J'ai pas appuyé assez fort. Faut appuyer comme un bourrinos sur ce pad classique, comme un bourrinos. Tu te détruis le pouce. Incroyable. Ils ont même pas réussi à faire une croix directionnelle
pour des jeux de dés. C'est... Waouh! Alors. J'ai réussi à me faire toucher. Je vais réussir. On va bien réussir à se faire toucher, les enfants. Et voilà! Wouh! Ouh, je sens que je vais pas l'aimer, ce niveau. Ah, non. C'est pas un gentil niveau. Il est pas ronron, ce niveau. Ouh, non. Putain, mais... Voilà. Allez, allez. Putain, mais j'ai réussi à me faire toucher encore. Je voulais pas... Je voulais pas monter à ce putain d'escalier, je voulais tirer sur lui. Et là, j'ai tiré trop tard. Ce pad, il va m'exaspérer. Oh là 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 là, il va m'exaspérer avant la fin. Ah putain. Ah putain. Oh putain. Comment tu veux, quoi? Comment tu veux? Ah, je te le touche même pas! Il va m'avoir! Il va m'avoir! Je pourrais monter, mais... Ouais, j'aurais dû prendre le coffre avant. Voilà, j'aurais dû monter, ouais, mais bon. Le temps que je monte, que je fasse popper le coffre, que je détruise le coffre et que je prenne l'armure d'or, et c'est pareil, hein. Il aura largement le temps de me toucher. Bon, un niveau horrible, les mecs. Ça y est, on est en... Est-ce qu'on peut monter les escaliers quand on est en canard, là? C'est quand même énorme, ce truc. Ouh, on reste calme. Oh, c'est pas la peine. Autant me faire tuer. Oh, ça va être horrible. Les mecs, ça va être horrible. Regardez le temps qu'ils vont mettre pour me tuer. Ah, ça y est, enfin. Enfin, il m'a foncé dessus. Ah ouais. Là, on a droit à un niveau horrible. Là. Wow. Ouais, parce que là... Mais ça reste faisable, on le voit bien. Bon, par contre, là, je déteste là ce début de niveau, là, c'est vraiment... Pff, et là, dès que t'arrives là, il y a l'autre qui pop juste pour te faire chier, mais non, et là, il pop pas. Ah, c'est bizarre, hein. Des fois, il pop pas. Hein. Putain, mais c'est pas vrai! Mais quel passage de merde! Oh là 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 là, mais sérieusement, mais comment ils font, les mecs qui jouent en arcade à ça? Sincèrement. Comment tu fais? Comment tu fais pour pas péter un câble en 8, quoi? Ça, bon, faut vraiment m'expliquer comment c'est possible. Ouais, bon, apparemment, si je reste là, que je l'ai... J'allais dire, si je reste là et que je les tue comme ça... Comme je le fais là au début, l'autre ne pop pas. Mais en fait, si, il peut popper. Mais il pop différemment. Alors voyons. Là, il va pas pop. Attention, il peut popper au milieu. Ah oui, d'accord. Voilà, il me suffira donc de sauter. Qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qui lui arrive là? Ok. Je voulais une fois de plus sauter, tirer en hauteur. Mais voilà, il n'a pas voulu. Attention. Là, on est pas mal. Allez, ok. Alors là, c'est ma chance. Bon. Il faut également bien que je retienne, que je mémorise ce que j'ai fait pour pouvoir refaire exactement la même chose. Alors. Là, c'est pas le moment de faire n'importe quoi. Mais putain, c'est pas ce que je voulais faire!
Il va me tuer, il va réussir à me tuer, vous allez voir. Je me demande si on peut les faire des pop. J'ai quand même... Non, elle reste tombée, c'est impossible. Eux, c'est impossible. C'est clair. Ah, oh, la vache. Ah, ce passage, il est pas mal. Hein. Ah, pour péter des durites, il est pas mal, celui-là. Pour t'arracher les cheveux, c'est le bon passage. C'est bon. Ah putain, je sais pas si on est au quatrième niveau là ou au cinquième niveau. C'est peut-être le dernier. Je pense pas. Non. Voyons, je vais pas le détruire ce coffre, voyons. Putain, c'est pas vrai, mais... Oh putain, quel piège fourbe ça! Ah, il faut pas que j'oublie à chaque fois de sauter ce trou. À chaque fois, je dois le sauter. Tu sauteras ce trou à chaque fois, même si tu vois pas d'ennemis. Tu le sauteras. Voyons. Ah ben là c'est pas la peine évidemment puisqu'il a pop juste avant. Ouais, c'est pas mal de faire comme ça. Putain, j'ai le raté. Peut-être que j'ai pas une arme vraiment appropriée aussi. Il me faudrait peut-être une autre arme là. Pourtant celle-là elle me paraît pas mal du tout. Vous imaginez là si j'avais la torche bleue. Oh putain, alors là, hein. Là il y aurait suicide. Hein. Oh, mais quand on se baisse, il nous touche pas quand même. Hein. Donc ça faut surtout pas l'oublier. Hein. Faut surtout pas oublier que quand on se baisse, il ne nous touche pas. Donc c'est pour ça. Putain, mais je pensais que j'allais la voir. Oh là 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 là. C'est un calvaire. Et voilà, sauf que là maintenant, voilà, je suis foutu, ça sert plus à rien. Peut-être qu'il y a un autre coffre qui peut popper, on sait jamais. Hein. Tout peut se passer ici. Ah ben en fait, c'est même pas la peine d'aller en haut. Eh non, et voilà. Merde, merde, merde. Pas notre coffre là. Comment tu veux que je réussisse à me les faire? Comment veux-tu? Je peux pas les toucher de là. Et en plus de ça, t'as les dragons là qui te... Franchement, c'est... Oh putain, mais à chaque fois, dès que je saute, il fait une charge en même temps vers moi. Aïe, 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 c'est dur là. Ah ouais, c'est dur. Pourtant, j'ai pas trop envie de critiquer le jeu parce qu'on peut s'en sortir, vous le voyez bien. Hein. Clairement, on peut s'en sortir, donc... Je peux même pas le toucher parce qu'il est dans le mur, quoi. C'est énorme. Ah, j'ai pas envie de blâmer le jeu. Il doit y avoir une technique. Hein, t'as pas le temps, hein. Même s'il fait ça, t'as pas le temps. T'as pas le temps de te relever et de lancer, ça sert à rien. Donc il faut le faire avant. Ah la vache. Ah, ils ont vraiment été bien étudiés. Ah vraiment, ces ennemis ils sont énormes. Ah, ils ont été extrêmement bien étudiés. Ah ouais, ouais, ouais. Y a rien à dire, y a rien à dire. Y a rien à dire. Ils sont complexes. Ils ont des patterns qui sont pas définis à l'avance. Ouais. Pff, c'est pas vrai, je t'ai tué avant. Ça devient lourdingue là. Ah putain. Et voilà, allez, c'est pas la peine. Oh, ça va être horrible les mecs. Ça va être horrible. Horrible, ça va être. Putain, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Non. Je suis obligé de les tuer. Je vois pas comment je peux les faire des pop. Je pourrais run, mais run avec 4 Firebrand au cul. Bon, je dis pas que c'est...
t'énerve pas surtout, ne t'énerve pas. Je dis pas que c'est impossible. Mais ça semble quand même assez ardu. Pour pas dire plus, mais bon. Si j'y arrive pas, on pourra toujours tenter de run jusqu'en haut. Hein. Tenter de run. Voyons si je fonce sur lui. Je me disais peut-être que si je fonce sur lui, il esquivera à chaque fois. Mais non, 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 non. Il reste sur place. Il me charge également. Ah oui. Très bon codage. Bravo, messieurs les développeurs. Très, très bon codage. Pas mal. Là, c'est pas mal du tout. Hein. On va suicider. Très, très bon codage. Pour les raids Arima. Ah, vraiment. Putain, y a rien à dire. Heureusement qu'on peut passer à chaque fois, vous avez vu. Hein, en appuyant sur un bouton, on peut passer le... Quand il nous montre la map, là. On n'est pas obligé d'attendre que la map, qu'on la voie complètement. Alors qu'il me semble que dans tous les autres goals, eh bien, justement... Puis comment tu veux, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ah. C'est un calvaire ces ennemis, vraiment là c'est... Je peux rien faire quoi. Je peux rien faire. Je peux rien faire. Il joue avec moi. Je suis totalement impuissant face à ces ennemis. Ouais. Là ça devient difficile. Parce que je sais pas comment faire. C'est énervant. C'est énervant là. Oh putain! Ça change à chaque fois, vous avez vu? À chaque fois, ils font quelque chose de différent, c'est ça qui est énorme. C'est que. Ils ont quoi? Ils ont grosso modo, je dirais peut-être 4 ou 5 passages différents, 4 ou 5 déplacements différents, et à chaque fois, vous voyez, c'est différent. Tu peux pas savoir. À chaque fois, c'est différent. Ils peuvent s'enfuir, ou ils peuvent te foncer dessus, et tu peux pas. Et tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Et c'est ça qui est énorme. C'est ça qui est ultra énervant. Mais c'est ça également qui est excellent. Au point de vue jeu, au point de vue de la programmation. C'est tout. C'est aléatoire. Voilà. Et en plus, c'est pas des ennemis. On peut pas dire que c'est inesquivable. Non. Je suis sûr que quelqu'un qui aura un bon skill ne se fera pas toucher. C'est une évidence. Voilà. Ils te foncent pas non plus complètement dessus. Ils ont pas non plus 3 millions de points de vie. Non. Faut y toucher 4-5 coups. Si on se baisse, on peut éviter les 3 quarts de leur attaque. Généralement, vous voyez, c'est des ennemis qui sont excellents. Y a rien à dire, c'est tout. Y a juste rien à dire. Putain, j'ai tiré trop. Oh. Putain! Je devrais pas envoyer mes 3 armes à la fois. Ah putain! Et merde, tiens. Et merde. Ouais, je devrais pas envoyer mes 3 dagues à la fois parce qu'on peut que les envoyer 3 par 3. Mais je suis pas obligé de bourriner comme un abruti là. Comme un âne sur ce putain de bouton et les envoyer 3 par 3. Je peux faire. Envoyer, 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 plutôt que envoyer, envoyer, envoyer. Et à chaque fois, après, vous voyez, je suis obligé d'être regardé si je fais. Vous voyez, à chaque fois, je dois attendre, j'ai un petit temps d'attente, un petit temps de recharge, si on peut dire. Mais putain, mais je lui ai tiré dessus. Vas-y, mais je vais péter un câble. Hein. Bien joué, monsieur le dragon squelettique, avec une queue bleue. Une crinière, des griffes et une queue bleue. Saleté de dragon squelettique volant. Ouais, je devrais pas peut-être tirer à la chaîne. Je devrais. Ouais. Ouais, ouais. Ah oh, putain, le con. Ah, oh, je l'ai eu. Et je devrais faire comme ça. Tchac, 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 tchac.
Je pète un câble. On va péter un câble avant la veille. C'est Mamadou. Où qu'il est, Mamadou? Tu m'as raté. Ah non, tu m'as eu, dis donc. Oh putain, j'ai transformé avec le vieux. Je vais te tuer, Firebrand. Où es-tu? J'ai peut-être des rhumatismes, mais je t'aurai. Oh, je l'ai eu en plus, mais c'est abusé, putain. Je suis deg, je suis deg. Ah, mais il y a une autre en haut. Mais d'où il sort, lui? Mais je l'avais pas tué? Je comprends plus rien du tout, moi. C'est celui du haut qui est venu. Pourquoi il est venu? Je t'ai pas monté en haut, il me semble, si. Ah, si, je t'ai monté en haut. Mais oui, avec le vieux, ouais. Ah, c'est pour ça qu'il s'est ramené. Pourtant, je n'étais pas allé très très loin, hein. Bizarre, hein. Bon, je crois que je vais commencer à péter un câble, mais c'est vert là, si, ça. C'est vert. Pas mal! Je te mets un 18 sur 20 pour cette attaque, mon pote. Allez, vas-y, je t'attends. Attention. Fourberie! C'est ça. Faut faire le fourbe. Maintenant, j'ai compris. Attention. J'attaque! Faut faire le fourbe! Faut faire le fourbe! Faut pas fuir. Faut attaquer! Où il est parti? Mais où il est parti? Hop, ah, ok. Évidemment, il est dans le mur. Bien joué, il se cache. Ah putain, bien joué! Ah, ils sont énormes. Ils sont énormes. J'ai rien à dire. Je crois que c'est les meilleurs Firebrand depuis qu'on a commencé cette série. Ah, j'en ai l'impression, écoutez. Ils étaient tous bons. Dans Super Goose and Ghost, ils étaient déjà très bons. Dans Ghost and Goblins, bon, un petit peu chiant, mais je sais pas. Il y avait un petit problème, je trouve, quand même. Là, vraiment, je n'ai rien à dire. C'est parfait, quoi. Ce sont des ennemis parfaits. Vraiment. Attends. Attendez, c'est quoi ces conneries? Pourtant, j'ai tiré vers le bas et pourtant, je l'ai eu, quoi. Comment c'est possible, ça? Je suis pas à la berlue, hein. Il est venu vers moi. J'ai tiré vers le bas. Et je l'ai eu. Putain, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que la hitbox, quand on envoie comme ça des armes, ou du moins ce que j'ai là, donc les dagues, les poignards, ça doit avoir une grosse hitbox qui prend en compte tout Arthur, toute l'aura de Arthur, toute l'armure, quoi. Ça doit être ça, ouais. Attention. Et on passe à l'attaque. Hein, c'est pas mal, ça. Oh! Alors là, je ferai toujours ça. Là, je ferai toujours ça. Donc c'est. On passe à l'attaque. On attend un petit peu. On fait ça, et voilà, d'accord. Ah, je m'en souviendrai, hein. Ah oui, je m'en souviendrai. Bon, écoutez, là par contre c'est ma chance. Donc il y a grosse concentration. Et je vais essayer de pas faire n'importe quoi, ça changera. Ok, en moins. Non! Mais c'est pas vrai, ces putains de dragons de merde! Ah, pas mal du tout, pas mal du tout. J'ai presque envie de me mettre une baffe, quoi. Putain, si j'avais pas le casque, je vous mettrais une putain de baffe dans la gueule. Parce que c'est tout ce que je mérite. Ce dragon, il faut absolument que je trouve le moyen. Le problème, c'est que même si je le détruis avant, à quoi ça va servir? À rien, il va repopper juste derrière. Donc c'est un léger problème, ça, quand même, hein. C'est parti! Confrontation contre Monsieur Red Arima. Attention. Ouais. Oh, bien joué! Ah, tu me fais une petite attaque en piqué! Voilà, ça c'est pas mal. Ça c'est du bien joué. Voilà ce que j'appelle bien joué. Alors ici, on va faire donc la technique. J'attaque! Je fais ça. Et il n'y a rien du tout qui marche. Si ça marche, putain, ça marche! Il vient vers moi! Ça marche. Putain, ça marche, ça fait deux fois que ça marche bien là. Ouh, pas mal. Ouais, et là je viens de revoir ce que j'avais vu. Quand on attaque comme ça, la hitbox est plus grosse que ce qui n'y paraît. Très bon, ça, très très bon. Donc. Bon, tu pop. En fait, il faut sauter exactement là. Bon. Le dragon va nous emmerder, quoi. Qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce que je peux y faire?
si, il faut que... Bon, écoute, je vais la tirer en bas, tant pis. Hein. Ouais. Tant pis, je vais la tirer en bas. Nickel, il est en moins en plus. Juste excellent. Putain, il a fallu qu'il saute sur moi au dernier coup. C'est pas vrai, un truc pareil, quoi. Ah putain. Oh, j'ai du bol. Oh, j'ai eu de la chance, parce qu'en plus je croyais vraiment pas l'avoir touché avant, donc j'ai eu de la chance de le tuer là. Bon, j'ai essayé de me concentrer. C'est super chaud là, honnêtement. Puis ça m'intrigue vraiment, cet endroit là. Mais je peux les tuer de là. Putain, mais quel con. Je peux les tuer d'ici. Je la prends ou pas? Non. Il y a trop de risques. Je peux pas prendre. Alors attention, ils vont popper là. Des dragons. Voilà. Non. Mais pourquoi je l'ai pas eu? Mais j'aurais dû le tuer. Je l'ai balancé 10 000 shurikens. Je lui ai balancé plein de coups. J'ai l'impression que quand on touche son corps. Peut-être qu'il faut uniquement les toucher à la tête. J'ai pas encore compris ça. Je le touchais pas là. Putain, mais. C'est sûr que si je me fais avoir par des conneries pareilles, ça va pas le faire, hein. Allez, en moins. Bon, on va retenter. Ouais, donc je fais ça. Ouais, bof. Ça marche moyennement cette attaque. Ah putain, j'aurais dû tirer avant, vous voyez. Aïe aïe aïe. Allez, je peux l'avoir là. On se concentre bien. Oui, c'est bon. Je m'améliore petit à petit. Je suis pas encore un cador, mais je m'améliore petit à petit. Heureusement que quand même il nous file l'armure d'or ici, même si je la gaspille comme un con. Bon, je vais faire lui d'abord. Allez. Mais oui, oui, Tekeblo. Il va me tuer, vous allez voir. Ça va être comique. Il va me tuer, ça va être comique les mecs. Hé, il a des pops, on sait pas ce qui se passe. Youhou. Où es-tu? Où es-tu? Tu fais cache-cache. On sait pas où il est, on sait pas ce qui se passe. Voilà, il est là. Voilà, allez go. Il repop juste après. Énorme, ah y'a rien à dire là. Allez, ce n'est pas la peine de continuer. C'est là où je vais réussir à les avoir, tu sais. Ah putain, non, je veux pas que je prenne ça. Ah non. Oh, vous imaginez si je prends l'épée? Vous imaginez? Je ne pourrai plus tuer les Firebrand. Voilà ce que ça veut dire. Oh putain, ça veut dire que... Ah non, mais laisse tomber. Je vais même pas prendre le risque. Non. Faut que je laisse me tuer. Je vais même pas prendre le risque de le tuer et ensuite de sauter au-dessus de l'épée. Quand je pense que j'ai hésité à prendre l'épée... Non mais imaginez. Comment on fait quand on doit se retaper les 4 Firebrand là du début avec l'épée? C'est impossible. Comment on fait sérieusement? Bah c'est impossible. Hein. Mais clairement. Hein. Ah ouais, c'est impossible. Ah là. C'est chiant. Allez, un en moins. On va retenter la technique. C'était ça. Je tire maintenant. Ouais, je l'ai eu une fois. Ouais. Oh putain de con. Oh la vache. Allez mec, c'est un calvaire. Je pensais pas que ça serait si hard. Oh putain. Waouh. Ah là quand même, dis donc. Là c'est clairement un niveau... De...
me retiens pour pas péter la manette. Ah, je me retiens, je me retiens. Allez, un petit coup d'eau. Ça, c'est du level, les mecs. Ah, là, on a un niveau de ouf. Ah oui. Là, on a un niveau de ouf, clairement. Pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Oui, très bien, ça. Très, très bon, ça. Allez, tue-moi. Bon, écoutez, on va essayer de vraiment se concentrer. On va essayer de se calmer. Voilà, on va essayer de garder la tête froide. Parce que là, je commence à... Je commence à chauffer sérieusement. D'ailleurs, j'ai super chaud. Donc, plus je vais m'énerver, et moins je jouerai correctement. Putain. Et ça, évidemment, c'est très mauvais. Bordel de bordel. Le truc, c'est que je peux pas continuer, quoi. Je vais essayer de faire popper le coffre. Ah mais non, je suis con, ça sert à rien. Je dis n'importe quoi. Hein. Bon, je vais essayer de monter pour voir. Je vais essayer de run à fond. On va voir ce qui se passe. Ah oui, carrément. Hein. Vous avez vu, hein. Il me laisse même pas passer du tout. Il ne s'enfuit pas. Il pourrait s'envoler, vous voyez, mais non. C'est dingue. Je cours vers lui et lui... Il me fait une petite charge. Ah, c'est des putains d'ennemis, là, vraiment. Wow, je me répète, mais là, je suis impressionné, quoi. Je suis impressionné, je veux dire, je vois ça. Honnêtement, si j'avais eu ce jeu sur Mega Drive... Il sortait en 89 au Japon, 90 chez nous, donc. Sérieux, j'aurais halluciné, je vous dis clairement. Hein. Bon, allez, tue-moi. Ah ouais, non, mais j'aurais halluciné. Ça aurait été un de mes meilleurs jeux de la Mega Drive, je pense, clairement. Ouais. Ah, et puisque moi, dans les premiers jeux Mega Drive, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu ben, Sonic, Altered Best, Strider, Shadow of the Best, voilà, et puis Quackshot par la suite, Kid Caméléon, des trucs dans ce genre-là, mais... Ah! Desert Strike, tout ça, mais là, je pense que j'aurais été impressionné. Putain, mais c'est pas... Je fais n'importe quoi, en plus. Ouais, là, j'aurais été impressionné... Autant par, je sais pas, par... J'aurais été impressionné par difficulté, par l'IA des ennemis, par les graphismes qui sont quand même poussés, quoi. Ah ouais. Ils sont pas mal. C'est pas une claque non plus, je veux dire, voilà. Bon. Si je prends Strider, par exemple, il était quand même très très bon aussi. Et... Ou même Quackshot, donc... Mais je sais pas, c'est surtout la difficulté qui m'aurait... Non, je sais pas, je pense que j'aurais vraiment aimé ce jeu, ouais. Bah, c'est une évidence. Ouais. Ah putain, mais comment veux-tu? C'est vraiment chiant. Putain, mais je tire toujours. Il faut que je réussisse à anticiper. Oh putain! Oh la vache! Vous avez vu, on ne peut rien faire. Même si tu essayes d'anticiper quand il va passer. Vous voyez, c'est comme ça. C'est ça que je devrais faire à chaque fois. Il faut que je réussisse vraiment à anticiper ça, quoi. Sinon, ben c'est mort, hein. Évidemment, là, j'ai réussi à le tuer. Voilà, bien sûr. Sauf que ça sert à que dalle. Putain. J'ai quand même tenté, vu que j'y suis, mais bon. Peut-être que si j'en fais popper qu'un seul... Ah ben non, il est carrément là, l'autre, alors. Ah oh, putain, il m'a foncé dessus. C'est énorme, hein. Rassurez-moi, vous êtes toujours là. Hein, vous êtes toujours là. Allô. Y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes toujours là? Putain, il m'a transformé en Krakuka, c'est cet enfoiros. Allez, go. Oh, et là, je me fais avoir par The Dragon Squelette. Wow, faut que je me calme. Vraiment, faut que je me calme, sinon... Faut vraiment que je me calme. Reste calme. Surtout, reste calme.
putain, comment j'ai fait pour le tuer aussi vite? Oh putain, vous avez vu ça? Je les ai tués en 2-2. Faudra vraiment que je fasse comme ça à chaque fois. Faut être rapide, ouais. Je commence à mieux comprendre déjà. Mais putain, mais c'est pas possible un truc pareil! La vache quoi! A chaque fois ce putain de dragon! Non mais laisse tomber l'épée, ouais, bien sûr. Et comment je vais faire après? Abruti! Bon, j'ai bien fait faire l'espèce de cochon de là. Voilà. Comment je vais faire après? On va vite se manier. Putain. Mais. C'est énorme! Énorme! Je vais réussir, ça y est, enfin. On va se le faire. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bon, merde, j'aurais pas dû. Attends, voyons. Oh putain, il y avait un coffre encore. C'est un truc de fou. En plus, ça me rappelle vraiment Ghost and Goblins là. Oh, les espèces de cochons avec leurs tridents me rappellent les ogres nains. Oh, ça commence à me faire peur là. Oh, ça commence vraiment à me faire peur. Ah là, c'était easy jusque là et d'un seul coup, difficulté se voit accrue, mais pas comme peu. Oh, mais non, c'est peut-être moi qui me fais des idées, peut-être qu'en fait, ah oh, putain, mais je peux rien faire en plus. C'est ça le problème, c'est que je sais que dès qu'il me touche une fois, c'est pas la peine de continuer, j'ai plus l'armure. Je dois m'en farcir trois autres à l'affilée en étant en calbut. Comment veux-tu? Hein? Non, en caleçon, ça passera pas. Bon, je préfère crever. Ah, et ça, quoi. Non, si je saute là. Ouais. Je fais comme ça. J'essaie de le feinter. Bim, bam, bim, bim, bim. Je vais essayer de lui faire une fatale erreur à son CPU, peut-être. Voilà, comme ça, mais ici, il sait pas du tout où aller, là. Et c'est là où il bug. Fatal erreur. Ah, putain, bien joué. Un petit kamikaze sur moi, ça, c'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, lui, je l'aurai plus facilement, maintenant. Lui, je pense l'avoir un peu plus facilement. Ah. Ouais, l'autre, j'ai un petit peu mieux compris ses mouvements, ses patterns, parce qu'ils en ont plusieurs. Mais le premier, là, j'ai toujours du mal. Il faut que je change de technique. Bon, il faut que je change de technique, là. Comment je peux faire? Voyons, je me laisse tomber. Ouais, je l'ai quand même, là. Ouais, c'est... Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça, hein. Ouais, comme ça je l'ai. Ah putain, bien joué. Ah, il m'a bien eu. Il faut que je trouve la technique pour le tuer, sinon ça passera pas. Voyons, je me laisse tomber. Qu'est-ce que je peux faire? Pas grand chose. Peut-être que j'ai pas une bonne arme, remarque. Ouais, peut-être que j'ai pas une bonne arme, je sais pas. Allez! Pourtant, ça me paraît pas mal, là. C'est une arme de G que j'ai. Une arme de G que j'ai. Oh, putain, mais... On peut pas deviner quand il te... Quand il te fait une charge comme ça, qu'il te fait un piqué au sol. Tu peux pas, quoi. Tu peux pas, là. Aïe, 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 c'est difficile. C'est difficile. Ouais, c'est difficile, il n'y a pas d'autre mot. C'est difficile, mais c'est pas nul. Donc je peux pas en vouloir au jeu. Non, non, je suis pas assez bon, tout simplement. Hein. C'est difficile. Et j'ai un manque de skill. Donc les deux cumulés. Ouais, là, on l'a forcément comme ça. Ah, voilà, ça c'est pas mal, peut-être. On a peut-être quelque chose, là. Allez, c'est ça. Je crois qu'on peut les avoir qu'à la tête. Bon, alors ici...
chance moyen quand même. Hein. Allez, allez, putain, à chaque fois ça passait pourtant. Putain. Ah putain de merde. Je vais bien m'avoir. Ouais, c'est bon. Ok, allez. On se concentre, on va essayer de pas se faire avoir. Je vais redescendre au direct parce que vraiment, ces putain de dragons squelettiques de merde, ils me. Quel enculé! Allez. Mais putain, mais c'est pas vrai un truc pareil! Ouah. Du coup, je suis à deux doigts tout arrêter, quoi. Ah, je vous jure! Ah, sérieux! C'est pour ça que les épopées, j'en peux plus, vous voyez? Parce que ça, vraiment, c'est insupportable. Ça m'est devenu insupportable, quoi, ça, c'est. Voilà quoi, restez comme ça, je fais combien de temps là? Ça fait presque une heure que la vidéo a commencé, rendez-vous compte quoi. Ah putain. Oh la vache. Merde! Oh putain! Mais c'est pas vrai! Et je le tue comme ça facilement sans bouger, mais vas-y! Regardez-moi ça, je pourrais presque les tuer comme ça. Regardez-moi ça, j'en ai tué un! Oh, je commence à m'énerver là. Chaud. Allez. On boit un petit coup. Je crois que je vais arrêter les épopées des jeux comme ça, quoi, des jeux qui sont vraiment hardcore. Ça m'amusait au départ, vraiment, je vous assure, ça m'amusait au départ, hein. Mais à force, vraiment, ça m'amuse plus, quoi, et maintenant, j'en ai marre. Voilà, peut-être que je ferai des épopées, mais ça sera des jeux, du coup, comment dire... Bah, des jeux où on sait qu'on avance, quoi, des jeux où on peut pas, comme ça, être bloqué pendant des heures et des heures sur un truc, parce que... Voilà. En même temps, c'est ma faute, hein. C'est moi qui l'ai voulu, hein. C'est moi qui choisis les jeux, c'est moi qui... J'ai choisi deux séries de jeux qui sont réputées comme étant les plus hardcore ever, hein. Castlevania, Ghosts and Goblins... C'est vraiment deux séries qui sont réputées comme étant très difficiles. Je n'invente pas ça. En même temps, je voulais les découvrir. Je vous disais qu'en épopée, ça serait cool. Et c'est cool, mais voilà, là, je vois bien que j'arrive à saturation. Du moins pour les jeux comme ça qui sont difficiles, je peux plus, quoi. Vraiment, je peux plus. Parce que ça m'amuse plus, c'est. Ça me donne envie de tout casser. Vraiment, je sais. Voilà, je suis peut-être moins patient, je sais pas, mais. Ça me donne envie de tout casser. Mais en plus, le fait de pas jouer au pad GameCube, de me péter le pouce sur ça. Voilà quoi, de voir que je peux pas capturer avec le HDPVR. Voilà, c'est énervant quoi, ça rajoute, tu vois, ça rajoute au truc quoi. C'est ça le truc. Donc voilà, ça rajoute. Oh putain. Je les aime bien ces Firebrand avec leur espèce d'armure bleue là. On dirait qu'ils ont une queue, non? C'est bizarre ça. On dirait qu'ils ont une queue bleue. Ah ouais, non mais c'est ça, oui. Ils ont une queue bleue. C'est nouveau ça, non? Les autres, ils avaient pas de queue, me semble. Hein. C'est étrange. J'ai l'impression qu'ils ont une queue. Ouais. Ouais. Capcom se sont fait un petit délire là. Je crois bien que c'est une queue. Hein. Bon, ça vérifie évidemment, mais. J'en étais sûr qu'il allait sauter là. Je m'en doutais. Le problème, c'est que je sens que j'avance pas. Et vu que j'arrive pas à trouver vraiment de défaut à ces ennemis, donc.
voilà, quand t'arrives pas à trouver. Ah merde, il va me tirer dessus. Ah là, pour une fois, j'ai réussi à l'esquiver. J'ai vu qu'il allait me tirer dessus. Ça fait plaisir. Ouais, mais ça passe pas à chaque fois. J'essaierai au prochain coup, mais. Voilà, c'est bon. J'essaierai au prochain coup. Mais c'est pas à chaque fois qu'on réussit à faire ça. Ah, mais. Je voulais pas. En moins. Putain, deux en moins, il a fallu que je perde ma truc. Je voulais pas directement sauter, voyez, à droite là, parce que je savais qu'il y avait le dragon et je me suis déjà fait avoir 3-4 fois comme ça, donc c'est bon, j'en ai marre là. Donc du coup, ben voilà, je me fais avoir par eux, quoi. Bon, toujours l'épée là-dedans, j'imagine. Ah ben non. La hache. Ah, j'hésite. Putain. J'hésite, mais j'ai pas non plus envie de faire une grosse connerie, si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez? La hache. Est-ce que ça me permettra de tuer les Firebrand plus facilement, la hache? Putain, j'en suis pas sûr. En plus, on pouvait, elle s'envoyait en diagonale. Quoique en diagonale pour les Firebrand, c'est pas mal, hein. J'ai presque envie de la prendre, vous savez quoi? Putain, j'ai envie de la prendre. Ça me semble pas mal, ça, pour les Firebrand. J'hésite. Ah, c'est dur. Allez, go, tant pis. Go. Ouais, ça sera chaud quand même. Ça sera chaud de les toucher avec ça. Tu peux pas viser, hein. Tu peux évidemment tirer en haut. D'ailleurs, on va me faire l'espèce de bidule du haut là. Putain, en plus ça a pas l'air super puissant. Oh là là, je sens que j'ai fait une connerie en prenant ce truc. Ah si si, quand on se baisse, on peut les envoyer un peu plus vers le bas donc. Ouais. Voyons si je fais ça, ça. Vous voyez, c'est mal fichu. Ah, ça c'est mal fichu ça. Regardez, quand je regarde comme ça. On voit bien que je peux. Mais non, je peux pas en envoyer deux là. Ah, mais d'accord. Ah, oui, d'accord. Je crois que j'ai commencé. Ah, oui, d'accord. En fait. Oh putain, en fait, on peut en envoyer que une par une. Merde, plus que 18 secondes. Mais quel con! Mais quel abruti. Putain, mais sérieusement quoi. Mais quel abruti. Mais quel abruti, mais quel abruti. Mais quel abruti, mais quel abruti. Putain, le timer qui défile. Donc ce que je disais, c'est qu'on peut envoyer qu'une seule hache à la fois. Il faut attendre qu'elle, soit qu'elle touche un ennemi ou un décor, ou qu'elle sorte de l'écran, pour pouvoir en envoyer une autre. Oh putain, non mais c'est une arme de merde en fait. Oh putain, c'est de la bouse. Oh du con, c'est de la merde. Non, j'ai fait la connerie de ma life. La connerie de ma life, putain. Les mecs. J'ai fait la connerie de ma life. Oh putain. On va voir. Enfin, elle est quand même esquivée comme ça. Ouais, là je l'ai eu. C'est peut-être un peu plus simple quand même. Ouais, c'est un peu plus. Ah putain, qu'est-ce qu'il fout là l'autre déjà? Pourquoi j'ai déjà fait des pop à lui là? Mais je voulais pas faire ça. Ouais, c'est peut-être un peu plus simple. Ouais, mais pourquoi il y avait des dragons là? Mais d'où ils sortent ces putains de dragons? D'où ils sortent? C'est peut-être un poil plus simple avec cette hache. Hein. Ouais. Bon, par contre, là, le problème, c'est que, nom de Dieu.
Allez, c'est bon, ça passe. Ok. Alors, voyons. Bon, là, ça passera pas. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Mais dégagez! Il a encore un autre en haut, mais qu'est-ce que c'est que cette blague, quoi? Il va réussir à me tuer, vous allez voir, ça va être comique encore. Ah, il va réussir, il va réussir. Ça y est. Alors, là-bas. Je sais que je peux l'avoir de là, en fait. Ah, si, voilà. Ah, c'est un petit peu plus facile, ouais. Oh! C'est un petit peu plus facile. Ah, et on va pouvoir voir ce que c'est le pouvoir. Ah, là, par contre, c'est là que c'est important. Voilà. C'est là que c'est important. Alors. Attention. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Putain, il explose. Il se concentre. Oh putain, il explose carrément. Est-ce que c'est... Ouais. Est-ce que c'est utile? C'est ça la vraie question. Ouais, je sais pas trop là. Allez, on dégage. Putain de merde, mais comment veux-tu, quoi? Putain, j'ai encore ces putains de dragons qui sortent. Je sais pas d'où ils sortent, c'est très étrange quand même. Allez. Ah, c'est un petit peu mieux quand même pour les tuer, hein. Je l'ai tué, non? J'ai entendu un petit bruit. Je crois que je l'ai eu. Ouais, c'est un peu mieux pour les tuer. C'est un petit peu mieux. Bon. C'est pas l'extase non plus, mais c'est un poil mieux. Bon, par contre, là, du coup... Putain, mais où c'est que là, voilà. Voyons. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir là? Ah non, mais laisse tomber quoi. Là, par contre, j'ai bien des gentils. Non, putain, il faut que je me le fasse de là. Putain, mais le timer, c'est un truc de ouf. Par contre, c'est pas super puissant. Hein. Le timer, il est déjà à 40 secondes. Quoi ça? Oh, c'est bon ça. Bon, faut que je monte. Alors. Putain, mais 20 secondes! Mais c'est quoi ces conneries? Sérieusement là? Ah, ok. Pas mal. Ah, effectivement, c'est pas mal. Oh putain, mais je rêve! Time over. Oh, c'est ouf comment il faut se manier. Oh putain, les mecs. Non seulement c'est chaud, mais en plus de ça, on a le timing. Oh putain! Bon, mais je l'ai tiré dessus! Je lui ai tiré dessus à la chaîne, quoi. Qu'est-ce que je peux faire de plus? Mais pourquoi il est venu? Remarque là, je peux essayer de les avoir sans avoir l'armure d'or et l'autre qui est venu aussi. Putain, c'est certainement parce que je lui ai envoyé une hache trop près de lui. Ah les mecs, faut être motivé, là je vous le dis. Wow. Si là il n'y a pas de la persévérance, du bon gros chaton, je sais pas trop ce qu'il y a. Allez, go. Bien! Pas mal du tout! Applaudissements. Applaudissements pour Dragon Squelettique, s'il vous plaît. C'était une magnifique attaque. Oui, tout à fait, une magnifique attaque. Je n'ai rien à dire. Cette chaleur. Ah putain. Ouais, donc comme je vous disais, moi les épopées comme ça, super hardcore. J'ai mis...
Je l'ai balancé les haches à la chaîne. Comment je peux pas me faire avoir? Attends, oh! Oh! C'est impossible! Je l'ai balancé les haches à la chaîne, vous avez vu quoi? Je pouvais rien faire de plus? Sans deck. Je sais pas moi. Je sais pas. Doit y avoir un truc que j'ai pas pigé. Hein. Ouais, il doit y avoir quelque chose que j'ai pas pigé dans ce putain de jeu parce que là. Bah, pareil là. Pareil! Pareil, mec! Bon. Incroyable, je me suis pas fait toucher. Ouais. Bon. Voyons, on se concentre. Allez, c'est plus facile avec ça. Clairement. C'est pas mal, putain. Vous avez vu ça, comment il parvient à esquiver quand même? C'est un truc de ouf, hein. Ah, mais vraiment, hein. Bon, est-ce que je peux l'avoir comme ça, moi, si je fais... Tchac, 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 tchac. C'est pas du tout ce que je voulais faire, mais c'est pas grave, hein. On est plus à ça près. Ouais, je l'ai eu. Allez, ça devrait le faire. Ouais, là, je t'ai bien feinté, mon cochon. Tu t'attendais pas. Voilà le travail, ok. Alors. Bon, toujours cette espèce d'attaque bizarroïde là. Ouais, c'est. Ouais, si ça me donne des frames d'invincibilité pendant que je le fais. J'ai envie de dire pourquoi pas. Hein. Alors, tu ramènes ta fraise ou pas? Ah putain, le con il vient me toucher là. Putain, mais c'est pas vrai un truc pareil. Putain, il a fallu qu'il se mette dans le... Qu'il se mette sous le sol quoi. Foiré va. Bon, faut que je me manne maintenant contre ce putain de timer là. Je vais quand même voir le coffre. Oh. Toujours l'épée. Ah non. Bon ben, les dagues, je préfère garder ce que j'ai. Ah putain, lui. Allez, vite! Voilà, heureusement, il est complètement con. Bon, eux, par contre, ils ont vraiment une IA à chier. Ils restent là comme des abrutis. Putain, je vais me faire avoir. Je vais me faire avoir, je le sens. Oh la vache. Ok, il y avait une armure là, non? Ouais. Allez, là, on est pas mal. Putain, j'ai eu de la chance! Faut que je me fasse les deux là. Voilà, nickel. En plus, ils me vomissent pas dessus. Bon, ok, là je suis bon, voilà. Il reste plus que 29 secondes. Avec du bol, je pourrais atteindre le checkpoint. Il doit pas être bien loin. Putain, allez. Non, mais c'est pas vrai! Mais non, sérieusement là. Tu te fous de ma gueule? Putain, mais non, non. Oh, c'est bon, j'ai quand même réussi à esquiver. Oh putain. Non. Attends. Mais c'est abusé quoi. Ah, mais ça y est, il me reste 3 minutes 40. C'est quoi ça? Mon timer il a été. Oh, à mon avis, on a passé le checkpoint. Oh oui. Oui, j'en suis pas certain, mais là. Oh, je pense que si le timer a été augmenté de 3 minutes 30, ça doit être bon. Bon. On va continuer de toute façon. Mais à mon avis, je pense qu'il y a dû avoir un checkpoint là. Bon, alors voyons. Moi je peux rien faire, je peux pas tirer quand on est là, non. Je peux sauter, non, je peux rien faire. Donc il n'y a que avancer. Oh là 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 là. Oh la vache. Pas évident là. Ça va être chaud. Ah mais non, voilà, tiens. Ah mais voilà. Fallait juste attendre. Oh putain. Ah mais voilà. Oh putain, oh putain, oh, oh putain. Nickel, je pense que là j'ai la bonne arme là. Oh merde. Mais j'hallucine, c'est le boss, hein. Truc de ouf là. En plus là j'ai une arme pile poil pour l'atteindre à la tête. Alors évidemment, il faut que ce soit à la tête. Hein. Ah, quel con.
Alors ça, c'est le moment de vérité. Checkpoint, logiquement, oui. Pour moi, c'est obligatoire. Sinon, mon timer ne serait pas revenu à 3 minutes 30 ou même 4 minutes, là. Vérifions ça. Ouais. Putain, ça veut dire que tout à l'heure, j'y étais. Putain, tout à l'heure, j'avais atterri ici. Il fallait sûrement atterrir ici pour déclencher le checkpoint. Incroyable. Incroyable. Alors. Allez. Donc, du coup... Oh, bon, on va l'attendre. Par contre, ah, mais voilà. Ok, d'accord. Bon, il a l'air easy. À condition que je le touche bien. Mais c'est excellent, quand même. C'est le même boss que dans les autres épisodes. On va rester là. On est bon, là. Ouais. Oui, donc à condition que je le touche bien à la tête. J'ai pas l'impression qu'il a un visage sur le... Sous la barbe, lui-ci. Je l'ai eu! On n'aura même pas vu s'il avait un truc sous la barbe, dis donc. Ah putain, mais non! Ça c'est incroyable, un truc pareil. Incroyable. Bon, donc ça veut dire que... Non, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est ça? Ah putain, je peux pas la voir de là! Merde! Il y a le mur qui pare mes attaques. Ouh la vache. Ok. Oh la vache! Et en plus, je vois pas de sortie là. Ah, en fait, c'était pas du tout le boss. Ah, mais c'était pas du tout le boss! C'est bizarre ça. Oh! C'était pas du tout le boss. Oh putain! Ok. Ouais, c'est ça. Ah, c'est énorme. Même les armes, elles vont moins vite quand on est vieux. Ça, c'est excellent. Voilà, ça, c'est le genre de truc. C'est une trouvaille qui est juste énorme, quoi. Parce que ça te tue pas. Ça te met un handicap. Excellent. Donc, c'est pas le boss, le gros barbu, là. Le Père Noël. Pourtant, c'est bien le boss dans le premier Ghost and Goblins, même le boss final. Et dans Super Ghouls and Ghosts, ben, c'est le boss à l'avant-dernier niveau, si je me trompe pas. Mais là, c'est pas le boss, c'est juste un mob. Après, on continue. Étrange. Ok. Bon, par contre, vu comment on l'a... Voilà. Il n'y a pas un bug avec ma tête là. Ma tête est invisible là. Bon, par contre, c'est excellent parce que là, j'ai pile poil l'arme qu'il faut, c'est évident. Ah ouais, ça c'est ouais. Énorme. J'ai pile poil l'arme qu'il faut pour battre ce bon gros barbu. Je vais quand même retenter un coup. C'est bien, tu me fais perdre 10 secondes, c'est pas grave. Bon, par contre, en haut, ça a l'air super chaud. Putain, j'ai galéré là encore. Bon, il faut pas que les têtes me fassent peur. Faut juste que... Ok, d'accord. Faut juste que j'esquive les boules de feu. Mais... Ah, c'est super chaud, quoi. Comment tu veux faire, honnêtement? Truc de ouf. Oh, truc de ouf, comment c'est chaud. C'est peut-être lui en fait le boss final. Je sais pas. Écoutez. Ouais. C'est possible. C'est possible. Parce que si c'est pas le gros barbu, alors qu'on est bien pourtant. Ouais. C'est bizarre quand même. Ah, c'est peut-être, je sais pas. Ouais. Soit le boss final, soit le boss de l'avant-dernier donjon. Je sais pas, on verra, on verra. Mais c'est peut-être le boss final là. Honnêtement, il a une bonne tête et surtout là, ça m'étonne. Bon, je fais un dernier essai avec lui. Ok. Il a réussi quand même. Bon, par contre, là, ça m'étonne qu'il n'y ait pas de coffre. Hein. Donc, on va faire. Je suis désolé. Hein. Ouais, parce que je me dis, si quelqu'un a par exemple l'épée là, comment on est censé faire si on a l'épée ici? Sans déconner.
Ah ouais, si on a l'épée, on peut pas là y arriver. Non, y a rien du tout qui a pop. Merde. Y a rien qui a pop. Y'a rien qui a pop. Peut-être en haut, hein, c'est possible, enfin. Ah, c'est chaud, en plus, il les envoie super vite. C'est chaud. C'est chaud. Si on avait le double saut comme dans Super Ghouls and Ghosts encore. Je dis pas, mais là. On va essayer de comprendre un petit peu leurs attaques aussi. Ils les envoient pas exactement en même temps. Ah mais si, ça dépend, putain, mais en plus ils envoient pas à la même fréquence, quoi. C'est ça le pire. Oh la vache. En tout cas, ils sont super bien faits, la tête. Sérieux, moi ça m'impressionne, je vous le dis. Vraiment, hein. Je suis impressionné, quoi. En plus, les sprites sont énormes. Franchement, je suis impressionné. Pour la Mega Drive en 89, je suis impressionné, je vous le dis. Moi ça m'impressionne. Bon, par contre, c'est pas le tout d'être impressionné. Quand faut y aller. Faut y aller. Ben non, mais attends, c'est pas possible. Je vais pas y arriver. Non, mais attends, j'ai jamais y arriver là. Je vais pas y arriver là. Attends, mais. Sans déconner, je vais pas y arriver. Hein. C'est super chaud. S'il y avait que une boule, je veux bien, mais deux. Et tu sais jamais quand l'autre va l'envoyer, ni où il va l'envoyer. Foutez de la gueule, les mecs. Attendez. Faut que je voie. Là, y'a quoi là-dedans? Oh putain, mais c'est pas possible. Non, attends. Je peux même pas revenir en plus. Hein. Oh putain. Ah non, là les mecs, honnêtement. Ah oui, jusque là je voyais que tout était faisable. Mais là. Ah oui. Là, je vous avoue que. Ouah. Ah putain, le con. Mais putain. Pas mal. Ah putain. Allez. Tant pis, on y va en kamikaze. On va voir ce que ça donne. Coucou. Ah là, il me tue direct. Il est bien fait lui aussi. J'adore son sprite. C'est vraiment, c'est Papa Noël. Hein. C'est exactement ça. Bon. Par contre. Là, on peut pas revenir. Oh là, j'ai peur les enfants. Parce que je vois pas comment je vais faire pour les tuer. Ils ont l'air super durs, quoi. C'est pour ça. Ils ont l'air super durs. Mais un truc de dingue. Sérieux. Ouais, là, les mecs. Ça m'étonne vraiment que dans ce coffre, il y ait ça, honnêtement. Hein. Allez, je retente un coup. Eh si. Ah putain, peux même pas l'esquiver quoi. Tu peux même pas l'esquiver cette attaque de merde. Oh putain les mecs, c'est super chaud là. Ah ouais, alors là. Là j'ai très 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 peur, je vois pas comment. Écoutez, on va y aller. Oh putain mais. Non mais laisse tomber quoi. Peut-être en faisant comme ça. Ah ouais, comme ça. Ah ouais, pas mal ça. C'est pas mal ça, tiens. Ah non. Ouais. Ah ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Ouais. Ça c'était pas mal, ou alors je reste au milieu. Ouais mais non, 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 parce que si je reste au milieu. Il y a encore plus de risques. Parce que dès que je vais en éviter une, il y a l'autre qui va arriver plus vite. Alors que si je fais comme ce que je fais là. Un coup à droite, un coup à gauche, ça me donne plus de temps pour anticiper la boulette de l'autre. Ah, oh, ça c'est chiant par contre. Hein.
Mais putain! Pas du quoi, mais même ça c'est lourd quoi. Oh là là, mais comment je vais faire? Bon, par contre, je reprends un petit peu espoir pour nos deux zigotos là, les espèces de têtes bizarroïdes là. Putain, c'est les frères Bogdanov en haut qui nous attendent. Oh, putain, bon, là faut attendre. Là faut attendre. Là faut attendre. Et maintenant, eh non. Qu'est-ce que c'est quoi le problème? Je suis pas assez rapide ou quoi? Je comprends pas bien là. Je sais pas, c'est quoi le souci là? Les mecs. Attends. Je suis là. Là, si je vais à fond, je crève. Là, je vais à fond, je crève. Voyons, je vais y aller direct. Bah ouais, non, attends. Oh. Ou alors, si c'est encore un truc qu'il faut faire au pixel près, faut me le dire, hein. C'est bon, hein. Moi, vous savez, les pixels près, c'est pas pour moi. J'aime pas trop ça, moi, les pixels près, mon bon monsieur, voyez-vous? Bah ouais, attends, ouais. Alors. Donc. Ouais. Donc là, je suis obligé d'attendre. Là aussi. Là aussi. Là aussi. Ah voilà, c'est maintenant qu'on peut y aller. Eh ben dis donc, faut attendre le quatrième ou le cinquième coup. Ça y est bon, et voilà, maintenant il est content. Ok. Bon, par contre, je sais pas si lui, il est complètement bidon. Parce que j'ai cette arme. Et non, parce que même si j'en avais une autre, je saute et puis je l'envoie. Si j'avais les dagues ou le bouclier, ben c'est pareil, quoi. Je saute et puis je lui envoie, donc... Bizarre, hein? Alors, voyons. Ah putain de merde. Putain, tu sais jamais. Et il le fait un poil trop haut et... Problème c'est que là je peux pas passer, je peux pas le sauter. Et j'ai pas l'impression que je puisse... Même si je saute pas, je vais pas pouvoir passer en bas non plus. Donc... C'est légèrement problématique. Bon donc ici il faut attendre. Hein. Faut attendre, mais pas comme ça exactement. Ouais, non, je pense qu'on va y arriver. Ça va être dur, mais on va y arriver. Non, ce qui... Le problème, c'est que si je continue avec cette technique, je vais mettre beaucoup de temps à les tuer. Je risque de mettre beaucoup de temps à les tuer. Ouais, alors qu'à mon avis, il vaut mieux se concentrer sur une seule tête. Ouais, bah oui, évidemment, parce que si tu fais une seule tête, elle tombera beaucoup plus vite et l'autre ensuite, elle devient triviale, forcément. Ça y est, il est mort là. Bon, toujours pas. Ça y est. Retourne en enfer, Satan! Ah, attendez, attendez, attendez. Ah, il sautait sur place en fait. Merde. Sauter sur place est pas mal ça. Ouais, si, c'est plus simple que ce qui n'y paraît, voyez. Ah putain, c'est beaucoup plus simple que ce qui n'y paraît. Ah, vous voyez, je me suis. Mais j'ai sauté! J'ai sauté là! Putain, j'ai sauté! Saloperie de hitbox! J'ai sauté! Je vous assure que j'ai sauté, hein. J'ai sauté, quoi. J'ai sauté. J'ai sauté. Mais c'est pas grave, c'est bon. Ouais, comme quoi, voyez. Au premier abord, il paraît super dur et finalement, faut pas s'exciter. Si on reste calme, avec un petit peu de sang-froid, ça passe. Faut rester au milieu. Faut réussir un petit peu tout esquiver. Et puis c'est bon. Ok. Ça va le faire, ça va le faire. Donc la question maintenant c'est est-ce que ouf, est-ce que c'est le boss final ou pas? Et c'est possible parce que le fait qu'il y ait lui juste avant, ça fait style, vous voyez, c'est... Putain mais putain de merde! C'est pas vrai un truc pareil! Ça fait style, il y a son bras droit, vous voyez, juste avant. Et ça ce serait lui, donc je me dis, remarque on est où là? Ah non, apparemment sur le plan ça serait pas le...
C'est pas la dernière salle, hein. On va voir. Écoutez. On va voir comment ça se passe. Go. Ok. Donc là, on va essayer de. Ouais, là, c'est marrant parce que des fois, il fait des jets de flammes énormes. Et des fois, il les fait tout petit. Donc. Voilà, là, il est dead. Donc théoriquement, il est beaucoup moins dur que ce que je pensais, l'autre en haut. Allez, là par contre, j'ai plus à avoir, mais c'est pas grave. Ah putain, j'aurais pas dû me faire avoir là, j'étais persuadé que j'allais passer en dessous, dis donc. Étonnant. Ouais, alors là, je regarderai bien ce qui s'est passé dans le montage. J'étais persuadé que j'étais en dessous de la boule. J'ai pas ressauté après, bizarre. Tout ceci est bien étrange, mesdames et messieurs. Bon, là, par contre, c'est lourd. À chaque fois, faut attendre. Ah, ils sont chiants, là. Avec leur espèce d'oursin, truc bidule, là. Des oursins au bout d'une corde. Allez. Allez, on va le finir vite fait. Voilà. Retourne en enfer. Bon. Ah putain, mais ici. Mais c'est pas. Ah, j'aurais dû sauter en fait. Ouais, d'accord. Ouais, j'aurais dû sauter. Putain, les boules sont complètement désynchronisées. Ah ouais, toi, parce que vous voyez ce qui se passe quand on saute. Quand on fait du surplace. Quand on saute sur place, voilà ce qui se passe. Vu que leurs boules ne sont pas synchro, il y en a un qui t'en envoie une, et puis l'autre juste après, tu te fais niquer. Ouais. Mais bon, c'est pas si difficile que ça quand même. Hein. C'est. Disons que je reprends espoir, quoi. Parce que là, quand je l'ai vu là pour la première fois tout à l'heure, je dois bien avouer que je me suis dit que c'était fini là, l'épopée. Hein. Je voyais vraiment pas comment le tuer là. Et là, je reprends espoir finalement. Alors, viens ici! Comment il s'appelle lui déjà? Je crois que c'est Astaroth. Ouais. Astaroth. Je crois que c'est ça son petit nom, hein. Allez, mais où t'es passé? Mais où t'es passé? Mais. T'en as pas marre de jeter tes jets de flammes, hein? On peut presque dire qu'il pète le feu, dis donc. Voilà, ça y est, j'ai réussi à l'esquiver. Ouais, pas ce que j'aurais dû faire. Putain de con! Si c'est bon! Ah, j'ai du bol. J'ai eu de la chance. Alors là, ça va le faire forcément. Si je fais gaffe, ça passera. Mais exactement comme tout à l'heure. Mais c'est énorme. J'ai sauté une fois de plus. Eh mais la hitbox de ces boules, elle est énorme. Hein. Ah oui. Maintenant, je comprends pourquoi quand j'étais les deux fois là où j'étais en dessous et je me suis fait toucher. Maintenant, je comprends. C'est parce que la hitbox, elle est plus grande. Ah oui, elle est un petit peu plus grosse que les autres. Que les autres projectiles, hein, c'est clair et net. Hein. Mais attends, ça fait deux fois que je suis persuadé de vraiment de sauter avant et en fait non. Ah putain. Ah, ils m'en veulent là. Bon, est-ce qu'on va y arriver? C'est combien de temps? 1h35. Est-ce que vous croyez qu'on va y arriver avant la fin de cette seconde partie, les mecs? Parce que là, ça commence légèrement à me prendre le chou, les enfants. Mais légèrement seulement, hein. Allez, faut attendre. Oui. On se dépêche. Maintenant, non. Ah putain, c'était pas là. Il fallait encore attendre un coup. Hein. Eh ouais. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. On l'aura vu, cet écran de game over. Hein. La vache. Ready, go! Mais ça, c'est vraiment, c'est le passage qui ne sert à rien. Hein. C'est le passage chiant. C'est, voilà, c'est maintenant, non? Ah oui, voilà, c'est ça. Allez, on est reparti. C'est le passage relou. Voilà. Bon, je vais bien me concentrer. Concentration. Putain,
Putain, pour... Ah, je me fais avoir à chaque fois, là. Ça, c'est très mauvais, ça. Merde. Ok, alors. Alors, attention. Restons sur nos gardes. Oh putain, oh putain, non, c'était pas le final boss, ça continue. Non, j'ai gardé ce que j'ai. Quoique, qu'est-ce que je fais? Bon, il est trop tard, je garde ce que j'ai. Oh putain, encore lui? Oh merde, quoi? Non, impossible. 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 Pas deux. Dites-moi qu'il y a eu un checkpoint. Je peux plus respirer. J'étouffe. Coup d'eau. Oh nom de Dieu. Impossible. Comment je vais faire pour esquiver? Comment je vais faire pour esquiver les jets de flammes? Oh my god! Attendez là. Maintenant je commence à comprendre pourquoi il est là lui. C'est pour qu'on s'entraîne sur lui! C'est pour qu'on s'entraîne sur lui! Bon, en tout cas ils ont très peu de points de vie. Ils ont extrêmement peu de points de vie. Mais attendez, mais comment faire? Les deux et ils pop entre moi? C'est impossible. Non, 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 il y a un truc à faire. Peut-être qu'il faut que j'avance tout au bout ou que je rebrousse chemin. C'est impossible comme ça. En l'état, ils sont... Putain, ça c'est chiant par contre. Hein. Eh putain! Mais attendez, non mais là ils ont abusé quoi. D'un seul coup là ils te mettent trois boss à la filet. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Attends. Comment je vais faire? Non attendez. Si je peux pas mieux me placer que là, c'est-à-dire s'ils sont obligés de popper réellement entre moi. Un à droite, un à gauche. Là, ça sent le roussi. Bon, j'imagine que c'est faisable, hein. Sinon, bien sûr. Mais je vois pas du tout comment. Comment je peux esquiver leur jet de flamme en sautant, même en sautant au dernier moment, c'est pas possible. Puis il y a l'autre en plus qui est à côté. Ou alors je me baisse éventuellement, mais. Oh putain, et puis ça, à chaque fois, je vais toujours avoir au premier coup, c'est. Ils ont abusé sur ce niveau, ouais. Et attendez, ils ont mis les bouchées doubles sur ce niveau, c'est un truc de ouf, hein. Oh la vache, hein. Ah putain, je m'étais encore dit, là, il y a quoi, il y a une heure, là, il y a une heure et demie, que c'était bon, que c'était vraiment les doigts dans le nez qu'on allait faire cette épopée, pour une fois, mais non. Eh ben non, finalement, non. Mais c'est un truc de ouf. Ah ouais, alors là, vraiment... J'aurais pas dû faire ça. Ouais, non, non. Ah putain, mais c'est pas vrai. Mais ça, c'est insupportable. Ça, c'est insupportable. Mais comment je peux. Comment tu veux faire? Dans ce genre de cas, comment on peut faire là? Je suis obligé de. Pour me protéger des flammes, faut bien que je descende un petit peu sur l'échelle. Donc. Si. S'il y a une petite boule rouge. Épineuse là qui arrive en même temps, je peux pas faire grand chose, hein. Forcément. Ouais. Ça m'intrigue là. Ouais. Alors là,
Wow, déjà il faut absolument que j'arrive à me les faire plus facilement ceux deux-là parce que sinon. Mais putain, je fais toujours avoir à chaque fois. Bon, il faut que j'arrête de faire ça parce que je me fais toujours avoir et ça c'est exaspérant. Il faut que je change de technique là. Putain. Il faut que je change de technique. Maintenant, je n'irai plus directement. Je monte à l'échelle une fois, puis je descends. On fera ça. Ouais. Parce que c'est bon, j'en ai marre. Je perds à chaque fois mon armure lors des deux premières bouboules. Pas déconner. On a encore affaire aux bouboules et à la bouche. C'est un petit peu chiant, hein, ces bouboules et ces boubouches. Alors. Viens par là, mon cher Astaroth. Allez. Ok, go. Là, bim, bim, bim. T'es dead. Donc, on va essayer de réfléchir. Allez, maintenant on y va du coup. Ah voilà, ça passe mieux déjà là. Pas mal là. Pour une fois. Eh putain, évidemment. Faut que je fasse n'importe quoi. Hein. Ça c'est. Alors, on va quand même y arriver, même si j'ai vraiment fait nimp. Cette fois-ci, je vais bien sauter avant qu'elles arrivent, hein, parce que c'est avec cette hitbox de merde là. Bon, maintenant, coffre. C'est opération coffre. Non, pas de coffre. Je vais sauter partout. Comme un cabri. J'adore comment il saute. Ça, c'est l'animation quand il saute. Énorme. C'est énorme comment il saute comme ça. Quand il plie comme ça, ses bras, les jambes, tout est énorme. Non, il n'y a que dalle, évidemment. Hein. Non, évidemment. Hein. Trop difficile. Je pourrais éventuellement. Quoique. Ah, mais attendez là. Voyons. Non. Mais c'est pas vrai, mais bordel. Est-ce qu'on peut monter les échelles? Ah oui, on peut monter les échelles en étant vieux. C'est énorme. Ils ont quand même fait l'effort. Regarde, faire l'animation. Même quand on est vieux comme ça, qu'on puisse. Par contre, là, il y avait un coffre. Hein. Il y avait un coffre là. Mais c'était pas ici qu'il y avait un coffre qui a pop? C'était pas là, c'est. Ah, voilà. Mais putain! Bon, qu'est-ce que je vais faire là? Putain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais foncer au bout. Non, on peut pas. Je me baisse. Ah, voilà, je me baisse, ça passe. Ah, ok. D'accord, bon, ça va aller. Donc, et là, ça. Oh putain, mais j'hallucine. J'hallucine comment c'est easy. C'est abusé? Mais non, mais c'est abusé, putain. En fait, c'est d'une simplicité hallucinante. De toute façon, c'était la seule technique possible. Hein. Il y avait que ça. C'était la seule technique possible. Quoi? Mais putain! Non, mais là, ils abusent, quoi. Là, ils abusent. Non, mais là, ils abusent. Oh, sans déconner, mais. Ah, j'aurais dû avancer! Quel con, j'aurais dû avancer! J'aurais dû avancer. Il y avait peut-être un checkpoint. Je commence d'où maintenant? Bon, attention, c'est pas grave. Maintenant, je sais qu'ils sont simples. Quel con. Ah, putain, j'aurais dû avancer. Ouais, même si, à mon avis, non, mais c'est abusé, là. Putain. Deux nuages, maintenant. Hein. Et après, c'est quoi? Ils vont nous faire le coup de mettre deux gros verres, c'est ça? Non, mais attends. Hein. Pas déconner, quoi. Wow! Je me demande quand même si j'ai eu de la chance ou alors s'ils sont totalement easy. Hein. On va voir ça après. Alors ici. Hop, hop, allez, envoyez vos deux bouboules. Go. Putain, c'est pas ce que je voulais faire. Putain! Ah putain, j'ai pas eu de bol. Ah, il est chaud là, franchement, jusque-là, je trouvais le jeu d'une difficulté tout à fait correcte, vraiment. Mais là, sur ce niveau-là, là, il y a abus. Ah oui. Il faut vraiment être super concentré quand même.
J'imagine pas le calvaire si j'avais l'épée. Alors là. Mais d'ailleurs, je me dis que ce serait impossible. C'est ça, je me dis que ce serait impossible. Oh la vache. Non mais rien que lui, comment l'avoir avec l'épée? Vous voyez? C'est... Waouh. Alors. Putain, mais c'est pas possible! Est-ce que c'est lourd? Putain, mais c'est pas vrai! Oh lolo lolo lolo! Ah, je fais des efforts pour pas tout casser, je vous assure, pour pas péter un câble, mais... C'est pas évident, hein! C'est pas évident de savoir se maîtriser, se contrôler, pour ne pas tout péter. Et ça, devoir à chaque fois attendre 10 secondes que tous les trucs aient fini avant de pouvoir passer... Putain, il y a deux nuages après. Deux putains de nuages. Oh la vache, j'ai du bol là. Allez. Putain, c'est même pas ce que je voulais faire. Là non plus, c'est génial hein. Je fais les trucs que je ne veux pas faire. C'est tip top. Ah pas mal, ça non plus je voulais pas le faire, remarque. Eh là trop... Ah non. J'ai vraiment cru que j'allais me faire avoir par la boule. Ah putain. Bon, là par contre on va voir du coup. Donc déjà là, est-ce que ça va être encore le truc qui va... Putain mais c'est con ce truc. Mais vraiment ça c'est... Faut qu'ils arrêtent avec ça hein. Faut qu'ils arrêtent avec ça. Là par contre je vais refaire exactement la même. Donc c'est ici, je me baisse. En plus, on voit bien quand il s'apprête à envoyer son jet de flamme, donc... Bien, pas mal du tout, pas mal du tout. La hitbox est un peu plus grande que ce que je pensais, donc... Bien, 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 bien. Ouais. Ouais. Ouais, c'est pour ça que maintenant, vous voyez, les épopées, c'est vrai que ça me... Du moins comme ça, sur les jeux super hardcore, comme je vous disais, je pense que je n'en ferai plus, ou du moins, moins qu'avant, voilà. Mais de l'autre côté, c'est pas grave puisque j'ai fait tous les jeux entre guillemets hardcore que je voulais réellement faire. Les 3 ghouls, ou le con. Les 3 ghouls et les Castlevania entre guillemets importants. Mais quel abruti, mais quel abruti, je vous jure. Les Castlevania importants. Bon, du coup, peut-être que là il va me filer l'armure, non? Même pas. Même pas. Ah ben voilà, j'en fais réussir à l'esquiver lui. Ah évidemment, là je vais réussir à les tuer. Ah non. J'allais dire je vais réussir à les tuer alors qu'évidemment je suis à poil, bien sûr. Mais non. Ils m'ont eu. Qu'est-ce que je disais? Oui, que j'ai fait les jeux hardcore qui me tenaient à cœur. C'est-à-dire les Castlevania que je voulais faire, je les ai tous faits. Du moins ce que je voulais faire en épopée. Ou quasiment tous. Non, tous. Ouais, peut-être. Quasiment tous. Ou tous. Et les ghosts, bah, écoutez, il y en a 3. Ouais, forcément, j'ai fait les 3. Je ne compte pas l'épisode PSP qui, je trouve, est un peu à part. Ultimate Ghost and Goblin sur PSP. Puis je compte pas non plus les maximaux là. Sont là aussi. C'est pas comme ça qu'il faut faire, mais c'est pas comme ça. Est-ce que je vais comprendre un jour que c'est pas comme ça, vous croyez? Je sais que c'est dur, mais bon. Putain, il est pas encore mort, hein. Voilà. Troisième fois que je veux sauter et que je me fais avoir comme un gros marsupial par la hitbox un peu plus grosse. De la petite bouboule. La petite bouboule. Gouzi, 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 la petite bouboule. Ouais, donc c'est pour ça que voilà, je réfléchis. Vous le savez.
Je pense que les épopées continueront, mais sur des jeux un peu plus simples. Et puis je pense que pour vous aussi, ça sera mieux. Hein. Voilà, vraiment. Je sais qu'il y en a quand même beaucoup maintenant que ça énerve de me voir comme ça galérer pendant des plombes et des plombes et des plombes sur un seul niveau. Donc voilà, pour toutes ces raisons, et puis pour moi aussi, vraiment pour moi, hein, je préfère... Putain de merde! Jamais je vais y arriver! Ah non, jamais je vais y arriver sans me faire avoir par la bouboule, hein! Allez, encore on va dire deux essais. Et on s'arrête là. Petite pause pour moi. Je crois que je vais aller me faire un petit casse-croûte. Ça me fera du bien. Ça va me remettre d'aplomb. Me requinquer un petit peu. Comme ça, je serai ready à bloc. Mais quel con je fais. Vous voyez, c'est là où je vois que je fais n'importe quoi. Est-ce que là, ça... Non, évidemment, c'est trop demandé, ça. Bon, allez, je me tue. Dernier essai. Dernier essai pour cette partie. Je vais me donner à fond. Ça passe ou ça casse. Let's go. Faut attendre. Ça, c'est chiant. Hein. Mais putain, c'est pas vrai! Vous avez vu? Mais ça, c'est vraiment... Mais ça, c'est comment dire? C'est le passage qui ne sert à rien. Voilà. Voilà le passage chiant du jeu. Je parle pas des boss, hein. Non, je parle de ça. 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 Voilà. Cette montée d'échelle avec des trucs comme ça qui viennent nous faire chier. À quoi ça sert, quoi? C'est juste chiant. C'est vraiment ça. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Du bol. Allez. Concentration. Là, j'ai passé directement à gauche de lui. Et voilà, ça passe. C'est bien ce que je pensais. Si on fait ça, ça passe. Putain, mais c'est ouf ça. En fait, la hitbox, quand on se couche, elle est beaucoup plus. Et merde, tiens. Putain de merde! Allez, je m'arrête là. Ouh! Petite pause là, petite pause, j'en ai besoin. Je vais me requinquer au maximum. Ah, on appuie quand même sur start, hein, histoire de pas non plus laisser le game over, le décompte se terminer. Voilà, on va mettre sur pause. Voilà. Ouh! Les mecs, ce dernier niveau, c'est pour les durs à cuire. Allez, je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Moi, dans quelques minutes, là, je vais bien au moins prendre 20 minutes de pause pour moi, quand même. Parce que je le mérite, oui, tout à fait, mesdames et messieurs. Et puis, je vous retrouve juste après. Ça devient dur, là. L'épopée commence. L'épopée is starting. Stay inside. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke.